Bonjour. Il y avait une question là, t'as pas oui. Ouais. Qui? Qui? Nous sommes qui? Nous sommes Wallace Kebab. Wallace Kebab, de Facebook. C'est ça. C'est lui et le corps aussi. Ben, c'est lui aussi le second leader, et puis lui c'est le troisième leader. C'est ça. Il y a Sid à la batterie. Oui, bonsoir. Il y a Tuss à la basse. Merci. Et Kebab à la guitare et au chant. Et au solo à un doigt de merde. C'est ça. Alors du coup, punk rock humoristique, punk rock and lol. Festif. Festif. Rigolade. Rigolade, humour. Pyramide. Lol. MDR. Là tout de suite on est au Warp Zone. Voilà. Merci à eux de nous accueillir voilà. D'ailleurs, c'est très sympa. Et puis sinon, on vient de Caen. De Caen aussi. De Caen. De Caen à Caen. Voilà, de Caen. De Caen. Mais on répète à Biéville. À Biéville-Beuville, ville lumière. Voilà, ça comme ça. Donc, capitale, capitale de la fougue. La fougue. On va pas se mentir. La fougue capitale sur moi. De la fougue. Bonsoir. Eh bien, nous performons depuis... Oula, jadis. Jadis. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on va fêter nos 5 ans en février. Voilà. Voilà. Essayez de passer le cap des 7 ans. Voilà. Pour tous les couples. Parce que les groupes durent 7 ans. Il n'y a pas un film qui est sorti là-dessus? Si. Si. J'ai pleuré. Ah ouais. T'es émotif aussi, toi. Comment, par hasard, on a fait un concert un jour dans un bar et puis lui aussi il était présent, il faisait, qu'est-ce que tu faisais? Tu buvais? Je buvais. Ouais, je crois que tu buvais. Avec une guitare. Avec une guitare aussi, ouais. Puis au final, on s'est rencontrés comme ça, on a commencé à faire des premières parties avec ce monsieur. Nous on avait un groupe tous les deux, et puis voilà. Notre groupe s'est malheureusement séparé. Oui. Je te laisse finir. Flower Co-Session. Donc, voilà, donc nous on était une session rythmique cherchant guitariste. Et ce monsieur a voulu faire un album de son côté. Et pour, comme il jouait tout seul à la base, salut, tu vas bien? Salut. Il nous a demandé si toutefois on pouvait l'accompagner pour cet album. Donc, l'album a été enregistré, il n'est jamais sorti. Et finalement, il y a eu un coup de foudre musical et amical. Donc, en fait, tout simplement, on peut résumer en disant que j'avais les critères, donc j'ai laissé mon email. Prends ça, Diams. On peut voir ça comme ça. C'est bien. On a hésité avec Christophe May à un moment donné aussi, pour chercher. Et ben, on va commencer par les grands noms du punk rock classique. Moi, c'est les Clash, les Ramones. Plus récemment, Against Me. Moi, pour ma part, un peu tout ça rapidement. Surtout du Red Hot Chili Peppers, du Muse. Classique de cette époque-là. Voilà, trop musicaux. Surtout mes trucs musicaux. Je suis ouvert à tout. Et à toi. Vanessa Paradis. Céline Dion, à fond. Moi c'est plus la veine punk rock outre-Atlantique, Rancid, NoFX, des groupes français aussi, Lameshot, j'écoute beaucoup Lameshot, j'ai découvert un groupe qui s'appelle The Spastic Hearts en ce moment, je le dis très mal parce que j'ai un accent de merde, non. Qui est très cool, pop punk à la Ramones, ultra bien, voilà. Et sinon les influences communes pour le groupe, on va dire que c'est un mélange entre NoFX et les Forbans. Sans oublier les musclés. Les musclés, bien sûr. Et les musclés. Évidemment. On peut placer Didier Super. Ouais, bien sûr. Elmer Footbeat, mais sans le côté QQ. Qui tourne, enfin voilà. Autour du... Ma main coupée que ça va tourner, enfin tu vois, l'histoire. L'étoile. Ouais. François Damiens. Grand prince, petit prince. On a sorti un album live récemment qui s'appelle The Situs and Kebab Show, inspiré de l'album de Blink. On prépare un split avec des copains. On dit pas les noms. Non, on va garder la surprise. On garde la surprise. Ah, ça va, ça... Salut, tu vas bien? On prépare un free race split. Du coup, il y aura 3 groupes. Et voilà. On... Bon, voilà.
très bien. Ouais. Des projets plein. Album en préparation. Un album. Deuxième album, ouais, déjà. Un clip, voire plusieurs, si possible. Ouais. Des concerts. Aussi. On joue au Pepper Rock Fest le 2 mars, du coup. Je sais pas si tu connais, c'est sympa. On joue à Jazz Sous les Pommiers. C'est vrai. On est le plus gros fiasco de Jazz Sous les Pommiers. Super. Erreur de programmation. On joue au Pixel Festival aussi, à côté de Paris. Ça, formidable. Organisé par les petits Jésus Voyageurs. Et une autre date en août qui est en train de se préparer, à la fin des championnats du monde de Mario Kart. C'est pas des conneries, c'est vrai. On fait fermeture du truc. Voilà. Jouer à déguiser alors. Ouais, peut-être. C'est ton plus grand rêve. Yes. Voilà. Sinon, bah non, des concerts, on cherche des concerts. Et eh ben, mettez des préservatifs. Putain. Faites l'amour, pas des enfants. Facile. Un conseil de vie simple, regardez avant de traverser la route. Parce que c'est dangereux. Parce qu'il conduit vite. Moi aussi, ouais. Parce que des fois, je pue là, c'est dangereux. Allez voir le. Ne loupez pas Pleine Tête au Pepper Rock Fest. Et écoutez l'album de Lame Shot, il est vraiment cool. Bah, dis donc. Bah non, mais c'est un peu là. Non, mais c'est bien. C'est important. Ouais, c'est des copains. C'est bien. Plusieurs. Le premier qu'on a fait, qui s'appelait, sur un morceau qui s'appelait T'es grosse, t'es moche, qui malheureusement a été supprimé de YouTube. Je vais pas dire censuré, parce que c'est banni. Banni. Voilà. Supprimé de YouTube, voilà. On sait pas pourquoi. On a fouetté quoi. Pourtant, c'était beau et poétique. Il était trop bien. Il était génial. T'es coquin. On a un medley de dessin animé où la bande son n'est pas terrible, mais le clip est rigolo. On a celui dont on est le plus fier, c'est Des Chrysanthèmes pour notre premier rendez-vous, réalisé par Garou Productions. Ouais, ceci est ouf, extrêmement bien produit, très cool. Extrêmement cool. Ouais. Il était bien maquillé. Ouais. Très bien. Et sûrement un prochain clip, on peut pas dire le nom maintenant, ouais. Mais on en a en préparation. Mais ça va être bien. Ça peut être très cool. Ça va être bien. On aimerait bien un clip dessin animé aussi. Oui. Mais ça va être plus long. Ouais, ça va être plus long. Ouais. Bon. Voilà. Voilà, c'est bien. Et bon, on part dans Tokyo.